Neymar il retrouve la forme et le sourire avec le Brésil. Et c'est tout un pays qui est soulagé. Neymar a participé ce jeudi 24 mai à sa première opposition avec Ballon depuis sa blessure avec le Paris Saint-Germain survenue fin février lors de la réception de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Selon l'équipe, le sélectionneur brésilien, Tite, l'a même placé dans l'équipe des titulaires en vue de la Coupe du Monde. Le numéro 10 de la selecao a ressenti une gêne au niveau de son pied opéré, mais il s'est bien entraîné selon un de ses coéquipiers. La veille, mercredi 23 mai, le préparateur physique de la sélection brésilienne avait affirmé que la star de 26 ans se remettait mieux que prévu. Le Brésil doit participer à deux matchs amicaux face à la Croatie le 3 juin à Liverpool, Royaume-Uni puis face à l'Autriche le 10 juin à Vienne avant de faire ses bagages et de prendre ses quartiers en Russie. Si tout se passe bien, Neymar pourrait avoir du temps de jeu. Côté transfert, le chéri de Bruna Marquezine est toujours au centre de toutes les conversations. Les rumeurs envoient l'attaquant vers le Real Madrid, qui s'apprête à jouer samedi 26 mai une troisième finale de Ligue des Champions consécutive. A voir également, Neymar à Paris, qu'est-ce que Neymar va apporter au PSG JB. Aller aussi.